que ce matin, j'étais très heureux de retrouver les joueurs. Surtout, je les ai vus arriver avec beaucoup de fraîcheur et des sourires. Et ça fait plaisir. Maintenant, ça donne envie de. J'ai hâte de retrouver le chemin de l'entraînement pour qu'on puisse retrouver un bon niveau. Mais en tout cas, il me tarde. Voilà, pour ce qui est de lundi et mardi, c'est essentiellement consacré aux tests médicaux. Donc, ils sont à la disposition du staff médical. Donc, on va mettre voilà, toutes les chances de notre côté pour passer tous les joueurs. Pour voir s'il n'y a pas de souci. À partir de là, on pourra s'entraîner normalement. Normalement, entre guillemets, je pense qu'on va récupérer l'intégralité du groupe qu'à partir de mercredi. Là, ce matin, on a fait de l'aérobie, il y avait une dizaine de joueurs. C'est les nouveaux et les joueurs qui ont déjà été testés. Habituellement, on a 6 semaines de préparation. Donc là, on a repris plus tôt, parce qu'avec cette crise sanitaire inédite, on n'avait pas le choix. Donc là, on a rallongé notre préparation pour monter crescendo, pour faire en sorte que les mecs retrouvent un niveau progressivement, pour éviter les blessures. On a énormément travaillé avec notre préparateur physique. Donc les joueurs ont eu un programme pendant le confinement, ils ont eu un second programme pendant leur congé pour pouvoir travailler en amont, pour arriver dans les meilleures conditions. Cette année, on a encore une dizaine de départs, les 5 jours prêtés, plus 5 jours en fin de contrat. Ça fait beaucoup. Donc l'idée pour nous, c'est progressivement stabiliser l'effectif pour que le club gagne en stabilité et puis en performance aussi. On sait que les deux sont liés. Ce qui est important, c'est que nous, on se prépare bien, voilà, que le groupe vive bien et qu'on aborde les matchs avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, de la première à la dernière journée. Je pense que on attendait ce moment depuis bien longtemps maintenant, parce que on n'a jamais connu autant de vacances. Pendant l'intersaison. Du coup, forcément, on est super content de se retrouver. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup, beaucoup de joie. Bien sûr, il y a de l'attente parce que voilà, on sait que les supporters ici sont ambitieux. Le club, il est ambitieux aussi. Nous, les joueurs, encore plus. On sait ce qu'on doit faire pour ramener le club où il se doit d'être. Et donc, forcément, on est très enthousiaste. On veut reprendre l'entraînement au plus vite. Moi le premier, vu que ça fait super longtemps. Et forcément, voilà, on s'est préparé, on a beaucoup attendu et on attend vite le premier match. On fait 10-15 minutes de footing pour se mettre en jambes. Et après, on a fait un foot golf, c'est des circuits techniques, il faut mettre le ballon sur la barre, dans les cerceaux, etc. Que de la technique, en mouvement, quoi, avec de l'endurance en même temps. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a enfin, ça m'a fait du bien et puis surtout moi après ma longue blessure, franchement c'était un grand plaisir de retoucher le ballon et de retrouver le groupe, le terrain, le stade Bonal, tout. Je pense que c'est même le bruit des crampons dans les couloirs, tout, même tout m'avait manqué. Et ouais, surtout retoucher le ballon, technique, revoir le staff, les joueurs, c'est motivant pour tout le monde. Et comme le coach l'a dit, plus on se fixe des objectifs hauts, plus on fera quelque chose de bien. Donc bien sûr que moi j'ai connu Sochaux en Ligue 1 comme je viens de la région et tout ça. Donc c'est comme un rêve de faire remonter le club en Ligue 1, je pense pour la région, pour les supporters, pour tout le monde et pour nous aussi bien sûr.